Ok, Kaori, c'est la deuxième partie de l'article. Il y a eu des petits problèmes techniques avec le programme. Je sais pas, j'ai redémarré mon ordinateur, mais je pense que je dois enlever des fichiers parce que je n'ai plus de mémoire. Donc, tu pourras regarder des vidéos sur différents prototypes développés par Mercedes et Audi. Hein, tu pourras voir les petites vidéos. Et sur mesure de masse, aujourd'hui, le nombre de passages en concession diminue, car et il est déjà possible d'acheter une voiture neuve sur Amazon ou Alibaba, ça je ne sais pas, à regarder. Pour conserver leur place centrale, les constructeurs poussent dans le sens de la désintermédiation, c'est-à-dire on enlève des Goddard. Intermédiation, c'est-à-dire que we don't have any go-betweens between the customers, consumers and factory. If you check on YouTube usine 4.0 ou factory 4.0, you're gonna see a lot of stuff to explain everything. Donc, pour développer directement des stratégies omni, seul canal, it's like one way, qui les pousse à réinventer le rôle des espaces physiques. L'étape d'après, la voiture sur mesure créée directement entre le constructeur et le consommateur via la réalité augmentée et virtuelle grâce au potentiel de l'usine 4.0 et l'intégration encore renforcée des systèmes d'information si on en croit les difficultés de Tesla à devenir un constructeur automobile à l'échelle industrielle. Il y a là une compétence clé importante à défendre et une façon de recréer des barrières, fences, à l'entrée pour les constructeurs traditionnels, ce qui sera sans doute décisif, important, décisif, pour conserver leur position dans ce contexte de bouleversement profond. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y aura beaucoup de fusions entre les différentes compagnies pour se renforcer et puis pour faire face à une compétition qui est complètement différente. Là, on réinvente le business automobile. On a de nouvelles générations, on a un consommateur conservateur, pardon, un consommateur conservateur, mais on a des générations qui arrivent et qui auront de nouvelles demandes, qui ont une éducation différente, qui ont vécu dans un monde différent du nôtre et qui vont avoir des demandes différentes. Voilà. Allez, j'arrête. Je t'envoie le résumé de la semaine d'avant. Demain, parce que là il est un peu tard et je dois me lever à 5 h du matin. Et puis j'ai encore plein de trucs à faire. Voilà. Alors, tu passes une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et on se parle donc jeudi prochain à 19 h. À bientôt, Kaori.